Mr. Robot. Eh bien bonjour à tous, c'est Seb. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Zelda Wind Waker. Donc j'espère que les épisodes précédents vous ont plu. Moi je me régale avec ce petit jeu que j'avais déjà fait à l'époque sur GameCube. Mais je me rappelle plus rien. Donc là il faut qu'on aille chercher, à mon avis, la princesse, enfin la servante. Mais comment on fait? I don't know. Soulever? Soulever quoi? Ça? Il est pas assez fort. Donc on va libérer la servante. Là il y a rien par là, donc à mon avis il faut qu'on fouine. Donc on fouine dans le château. Enfin dans le château. C'est vite dit. Dans ce petit donjon. Monte. Et monte pas. Donc j'espère qu'après ça va dynamiser un peu, parce que là c'est vrai que je vous avoue que le début est un peu long. Mais bon. Ah, plaque. Non. Il est pas à courir. Il est à fond là. Oh. Ok. J'aurais dû mettre Link, j'ai mis Seb. Je suis pas blond. Ah, il faut rester appuyé, c'est vrai. Et toi, je kiffe. Attends, je regarde la télé, hein, le HDP vert et. Oh, putain, ça me. Les couleurs, elles sont un peu moins vives. Que le jeu il est plus vif que ça, c'est incroyable. J'essaierai, je pense, dans les réglages Sony Vegas de dynamiser un peu cette couleur. Car je vais vraiment vous faire un let's play parfait. Car vous le méritez, les amis. Oh putain, il y avait un rubis, non. Un émeraude, pardon. À qui faut qu'on parle pour être sûr? On va reparler à lui. En fait, mon collègue a dû se tromper. Je ne pense pas que Melody ait pu se. Mais si, mais balance, putain. Mais je reste un peu ici à attendre. Ne t'inquiète pas, Seb. Va t'occuper de Scaf. Ah, mais je me suis occupé de Scaf, il me parle pas. Il me boude. Ah. Faut lui dire, Melody s'est fait enlever. Rien à fouiller là. Oh, il y a les petits canards, ah, le bébé. Hein? Ne regarde pas ma perle comme ça, je te la donnerai pas, mais c'est pas ça. Ah putain, rien à faire. C'est comme qu'on puisse pas zapper direct, alors c'est moi qui ai pas trouvé le bouton. Donc on va, là il y a rien. Dans la chambre là où on avait été, y a rien. C'est quoi ça? Bim, coup de boule. Lui j'ai parlé aussi. Quoique je sais plus si j'ai parlé lui. Le calme dragon qui s'ouvre devant toi était autrefois un endroit dangereux. Aujourd'hui cet endroit est devenu encore plus dangereux. Et même les choux péteurs y ont fallu. Et dire que c'est Velo qui est à l'origine de tout ça. Si vous voulez. Merde! Non! Entre! Vite! Si vous voulez que je vous fasse des voix spéciales à chaque perso, dites-le moi. Hein. Moi je m'éclate. Hein. Je suis un grand enfant. Et lui, j'ai pas parlé à lui. Tiens, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Tu es ce jeune garçon qui court. Les aventures d'Ilonil. Oui, c'est ça. Tu n'aurais pas des plumes d'or par hasard? Ma petite amie a vraiment à avoir. Ah non, j'en ai pas.
Je lui promets de lui en envoyer. Elle est pas copain, désolé. Et il va me parler. Oh putain, ça a déjà lu, donc je vais pas vous le relire. Ah, qu'est-ce qu'il y a par là? On va aller voir le daron à mon avis. Chaque année, le peuple piaf organise un concours d'envol sur la partie, sur une petite partie proche d'ici. Avec notre île dans cet état, je ne sais pas si le concours aura lieu cette année. Oh merde. Mais assez traîné. Tout le monde est parti s'occuper du vénérable Valo et il n'y a plus assez de monde pour livrer le courrier. Au travail, au travail. Oh, il est parti, voilà. Il est où? Il est où? Oh, il est parti où? Elle va me dire quoi? Autrefois, il soufflait toujours ici un vent favorable. Le dieu du vent a dû se remettre en colère pour que l'air devienne aussi étrange. Il faut dire que son sanctuaire en bas a été brisé. Les responsables sont bien punis. Ah. Tant mieux qu'ils étaient punis. Vilain. Non. Non! Tu vas sauter, toi. Non, Link, arrête tes bêtises. Vilain garçon. Ah, j'avais pas été par là encore. Allez, on casse tout. Allez, 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 on casse. Ok, en toutes les expressions du visage. Il avait poussé loin quand même ce jeu, à l'époque. Hein. Il avait choqué les gens parce que cel shading ça plaisait pas trop, mais. Oh, y'a rien à voir là. Y'a pas un trou caché là? Oh putain, mais y'a rien! Et la maison, et les chefs, où est-ce qu'ils dorment les chefs? Ah, je suis intrigué là. T'as pas retourné voir par là? Putain, oh, c'est chiant de chercher là! Ouais, elle avait pas le choix là. Bon, on va aller refouiller. Ah, peut-être les objets. J'ai pensé à un truc là. Parce qu'il parlait de choupetteur déshydraté. Je crois qu'en bas il y avait de l'eau. Ça me revient là. J'ai eu un flash d'un coup là. Alors. Yes! Ah 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 ah. Et là, si j'arrose le chou. Hep! Je pense que c'est bon. Je crois que j'ai trouvé la solution. Et ça revient doucement, mais sûrement. Alors là, maintenant. Oh, ça doit marcher. Oh putain, trop fort! Reviens! Non! J'ai fait péter avec. Ah merde, dans l'eau. Faut que je vise sur le toit. Yes! Et ben voilà! Putain, j'ai eu un flash, je suis entré, j'ai fait. Mais merde, c'est vrai, j'ai un flacon dans le menu. En plus, j'ai le menu affiché là. Ah, trop bon. Voilà, les amis, c'est parti! Yes!
Oh, j'ai mis un flash comme ça, j'ai bloqué. Ah, putain, mais j'ai un flacon. Allez, mon petit Link, en avant. Il faut tirer ça dans les bocales. Hein? Ah. Oh putain, je meurs direct. Mais crame mon cul. Ouh, il fait aux fesses. Oh putain, ah, le bruit. Ah, il s'est cramé le cul direct. Oh, excuse-moi. Oh putain, il s'est cramé les fesses. Non, mais non, mais quel nul. Noob. Il grimpe pas là, il grimpe quand il a envie en fait. Yep. Yep. Là j'ai trouvé deux suites par contre là. C'est revenu cash. Merde, je vais voir si on pouvait sauter par contre. Ouais, est-ce qu'il est dans celui-là? On a bien la vue là, oh putain. Allez, on va y arriver. On va le faire, ce choupeter. Aïe, aïe. Concentration. Je suis concentré. Parce que là, il faut viser droit en fait, de suite. Oh non. Non. Faut que je mette dans l'angle là peut-être. Oui. Voilà. J'arrive des ailes, ça aurait été plus facile. Oula, caverne du dragon. Oh. Faire péter à droite. Un petit cœur. C'est vrai que ça faut aller chercher les cartes de cœur. Il est pas content là, t'as ouvert, il grogne. Oh oh. C'est qui est plus fort? C'est Link. Hop. Non, chop. Chop, piqué. Faut ramasser un maximum d'argent. Un grappe, grappe. Pour ouvrir la porte. Petit cœur, ouais.
Ah oui, il y a des flambeaux. Flambeaux et de l'eau. Voilà, allez bien. Hop. Hey, hey. La clé. Hey. La clé. Oula, je commence à faire chaud là. On ira trop près là. Oh, ça sent les fails et tout ça. Il peut pas taper quand même beaucoup. Ah, faut que je me rappelle. Ouais, exact, c'est bon. Ah, on va péter le chou. Alors faire gaffe, faut pas se cramer le cul là. Il est. Il est une petite chauve-souris. Oh putain. Des fioles d'eau. Ah oui. La garde du donjon. Yeah. Alors, carte. Pour rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. Allez, trois étages, ok. Là, on est là. On se crampe pas les fesses. Carotte. Ok, alors tu le lock, mais il t'a pas donné. Vous obtenez un pendentif du bonheur qui sera placé dans votre sac à butin. Yeah! Oh, je l'ai frappé avec ça. Non, petit cœur. Là, il y a un coffre. Putain. Excellent. Putain, mais c'est le top. Putain. T'es quoi de bêtise ? Vous obtenez de la gelée chouchou rouge. Elle sera rangée dans votre sac à butin.
La gelée chouchou rouge est hautement revitalisante, mais elle ne peut être utilisée telle qu'elle. Ah d'accord, il va falloir la mixer alors. Tenez, la petite clé. Je garde cette épée là, eh bien. Link le brutal. Link l'anon, putain. Ouais, ça fait mal, je mets des one-shot avec ça. Ramasse-les. Putain, elle a lâché l'épée, le con. Là, ça commence à être un peu plus intéressant, des donjons et tout. Oh. Ok. Ah, je me suis fait avoir quand même les rôles. Link, là. Il faut que j'oublie pas que ça avec la caméra, puis suis le mouvement, enfin le... C'est fermé. Ouh. Accrocher là, je peux pas. Oh putain, regarde. D'air fraîche. Allez, viens. Allez, tape, vas-y. Tape. Oh putain, ça crache, ça crache, ça doit brûler l'autre pied. Plaque-toi au mur. Je vais plaquer. On va attendre que ça sorte. Snake. Allez. Vite. Il va faire cramer les poils des fesses là, vite. Encore c'est timing. Soulevez. Tu n'es pas assez fort encore, petit scrabé. Oh putain. Allez. Si je monte là, en fait, c'est plus rédhibitoire. En bas. Monte. Voilà, j'allais appuyer sur lâcher. Lâcher, non, ne pas lâcher. Allez, le Jupiter. Oh non, j'étais bien dehors.
à la fraîche. Allez, une énigme encore. Vive les énigmes. Allez. Ah bah c'est bon. Très difficile l'énigme, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Cassez-vous les ratatacs. Seb, tu as déjà eu affaire aux rats malins qui passent leur temps à dérober les biens d'autrui. Ce ne sont rien d'autre que des rats. Essaye de trouver leur nid, approche-toi et propose-leur de la nourriture. Ils accepteront peut-être de partager avec toi leur butin. Tu devrais essayer. Oh l'air ! Petit voleur de rats, vous voulez me dépouiller ? Putain, un petit voleur de merde. Moi je porte propose rien du tout, moi je les bute. Mais la clé. La clé. La boussole. Ok. D'accord, il ne sait pas monter. Pas viser, attends. Vise là-haut, là-haut, là-haut. Voilà, jette là-haut. Putain, merde. Merde, mais merde. Ah, je suis dans la merde. D'accord, ok. Comment je fais, moi? Bah, avec ça, il grimpe. Pourquoi avec les... Quand il veut pas grimper l'échelle avec? Parce qu'il sait pas le faire. Ah, merde. Je savais qu'il fallait faire ça. Mais il suffisait de bien viser surtout. Je trouve que j'ai pas de bouffe. Est-ce que j'ai de la bouffe dans mon sac? La clé! J'ai même pas de bouffe dans mon sac. Comme ça c'est réglé. En bouteille. En bouteille, je m'en fous. Alors. Allez, c'est parti, copain. On y va. Ouais, de l'air, un peu d'air. Vous avez obtenu une petite clé, cette clé permettra d'ouvrir les portes. Allez, dégage, putain, si je tombe, c'est direct, allez. Ne passe pas par la case départ et retourne en bas. Pfff.
ça va servir ça. Vilaine chauve-souris. Waouh. Enchaînement. Oh putain. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je peux pas la ramasser. La boule. La boule. Donne-moi la boule. Je peux pas la ramasser, c'est nul. Allez, c'est parti. Allez, dégage. Eh ben. C'est ça cette boule là. Ah, d'accord. Je croyais que c'était. Oh putain, le feu il est là. Ah, c'est chaud ça, feu. Ah, c'est fait la tronche. Pas quoi ça sert. Et je l'ai fait. Franchement, si vous avez la Wii U et vous ne savez pas quoi acheter, parce qu'il y a très peu de jeux, faites-le. Je le dégomme en 2-2. Je vais pas jeter. Vous les avez gardés. Allez, casse tout. Ah, allez. Putain, ça va avoir du pognon. Hein. Ouais. Et bah t'es mort maintenant. Putain, ça se revend ça je pense, à mon avis. Il y a du bise à se faire. Toujours revoir. C'est vrai que ça c'est ça les Zelda. Pensez bien à tout fouiner. Allumez toutes les torches que vous voyez suspectes. Une carte trésor. Oh putain, c'est bien ça. Dirigez-vous vers le point indiqué et vous mettrez la main sur un trésor. Attendez, je regarde ce que j'ai. Alors. Carte. Carte. Ça doit être dehors, à mon avis. Allez Linkout, alors on en est à 26 minutes déjà. Bah je pense que ça va. Alors, si on va faire le donjon entier avec le dragon, c'est pas mal. Ouais, il faut péter sur le truc. Link. Ouais.
fallait. Ah, je vais là. Aïe! Eh bien! Bien! Ah, d'accord. Il vient, mais il faut les tous les tuer. Bon, c'était un peu logique. Allez, c'est parti! Ouf! Oh putain, il y a un scorpion! Non! J'ai cramé mon cul! Aïe aïe! Pas mort. Ah, trop tard. Bon, et timing. D'abord, ça tranche de cake. Ensuite, on peut y aller. Là, c'est bon, ça passe. Allez. Allez. Hé hé. Ça va, on dirait un symbole de la queue d'un scorpion. Je sais pas quoi ça veut dire ça, mais... Un peu d'air. L'air. Oh putain. Je suis pas content. J'arrive, Valo. Je pense qu'il y a des hémorroïdes. No. Pas de répit. Allez, gueule à Link. Qu'est-ce ça? Vous obtenez le collier macabre. Ils sont rangés dans votre sac, putain. À première vue, ce collier semble sans intérêt et sans valeur, mais on le dit très recherché par certaines personnes. Ah, agent. Seb, tu m'as aidé. Ouais. Merci beaucoup. C'est horrible.
Quelqu'un a joué un mauvais tour à la queue de Valo. Ah, depuis, il est dans une colère noire. Qu'est-ce qu'ils ont fait à sa queue? La queue de Valo descend jusque dans la pièce en dessous. Il doit sûrement y avoir quelqu'un dans cette pièce, peut-être quelqu'un qui est de mèche avec les monstres qui m'ont attrapé tout à l'heure. Il faut vite faire quelque chose. Je vais aller le dire à tout le monde. Seb prend ceci pour sortir. Je m'en servais toujours avant de venir ici, donc c'est spécial. Cet objet s'est transmis depuis l'époque où le peuple Piaf n'avait pas d'aile. Il me plaît mon or. Non? Ouais, le grappin griffe. Yeah! Ah, je vais me l'attribuer. Alors je vais mettre à sueur, ça c'est bien. Oh putain, pas le CDR ce truc là. Oh, excellent. Avec ça je fais carnage. Ah mon petit ballon. Pas content. Pas content. Bim, planté dans la queue du dragon. Allez, testons notre grappin magique. Eh oui, mais j'avais compris. D'accord, quand le signe apparaît. J'ai compris, mais maintenant il faut l'appliquer comme il faut. Yeah. Ouais. Je vais t'aider, mon petit mal. Enchaîner de truc en truc. Merde. Ah, il bouge contre Link. Ah, Link. Non, je dis pas, c'est moi, c'est Link. Ultime. Alors, qui c'est que c'est mis avec la queue du dragon là, hein? Qui c'est qu'en mettre mon pote le dragon? Qu'est-ce qu'il y a toi? Toi tu vas tomber à la baille. Allez hop, putain, crame-toi le cul. Je laisse un tour. Allez toi aussi. Va voir là-bas si j'y suis. Ah ouais, comme on descend. La bonne blague. Oh, j'ai fait une connerie. J'étais peut-être le seul truc. Allez. Et comment on descend? D'accord, comme ça c'est fait. C'est chaud, ça fait chaud de chaque truc-ci. Il a cramé son petit cul.
faire les trois en même temps, mais bon, merde. On parle pas trop en ce jeu en fait. Mais bon. En attendant de tout ce petit truc, je vous prépare d'autres petites aventures horrifiques. Tout ça est en cours. Je réfléchis comment faire ça intelligemment. Sans trop perdre. Enfin, sans me perdre dans les. Oh non! Mais sans moi! Mais non! Mais il est con! Mais quel noob! Va tromper de bouton. D'ailleurs, je peux pas l'enlever ça. Il fait attribuer autre chose. Non, on peut pas attribuer autre chose, ça sert à rien. Ranger. Range ton épée. Tu as vu que c'est de merde. Et après? Oui. C'était pas ça. Excellent. Je me balançais toute la journée. Ah mais y'a rien par là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Par là comme ça alors? Non, tu ne trompes pas de bouton. Waouh. Je savais qu'on pouvait piloter. Putain ouais, j'ai eu beaucoup de cœur. Avant que le feu prenne à mon fesse, à mes fesses. Chaque fois je me trompe de bouton. Oula, ça sent. Ça sent l'embuscade. Oh là là. Et que sur la qui craint. Joue Pokémon toi. D'accord. Bon, faut qu'on tue le vrai. Ah ouais. Viens, viens, viens. Allez. Vite.
Oh, le coffre. Ta-da-da-da. Putain, 42 minutes. Oh. Obtenez la grande clé. Pénétrer dans la pièce où se cache le boss du donjon. Ah, cramé. Bien. Je crois que le boss on va le frapper une prochaine fois, hein, sinon là, j'en ai pour 20 ans. Le boss à mon avis ça va pas durer 5 minutes. Mais on va s'arrêter sur cette mort, voilà. On se fera le boss dans le prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Moi je me régale, ça y est, ça revient un petit peu, même si je fais quelques fails, hein, c'est normal. Hein. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec Link. Et pensez comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, un petit pouce s'il vous plaît. À partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez.